Mes frères bien-aimés, c'est toujours avec grand profit que nous lisons le livre des Actes des Apôtres. Normalement, ce livre devrait être toujours à portée de main et de cœur. C'est très important de voir comment la première communauté chrétienne a vécu du feu de l'Évangile. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment très heureux de pouvoir visiter un aspect de l'épopée paulinienne. Autrement dit, de la grâce de saint Paul lorsqu'il parcourait les territoires pour annoncer le nom par lequel tous les hommes étaient sauvés. Et voyez, aujourd'hui, nous retrouvons saint Paul dans cette belle ville de Corinthe. Et là, ce qui est extraordinaire, vous le voyez, mes frères, mais en même temps, ce qui est tout à fait commun, parce que dès que l'on est avec le Christ, on bénéficie de son aide et de sa grâce. Vous avez entendu qu'il bénéficie d'une vision du Christ. Le grand saint Paul est visité par le Christ, qui lui parle à l'oreille et qui lui dit « Sois sans crainte, continue de parler, ne reste pas muet, je suis avec toi et personne n'essaiera de te maltraiter, car dans cette ville, j'ai à moi un peuple nombreux. » Voyez mes frères, comme le Christ sait toutes choses, il sait qui est avec lui et qui ne l'est pas. Il faut toujours, mes frères, que nous sentions que nous sommes suivis par la personne de Jésus. Et que par conséquent, nous n'avons rien à craindre. Et ça sera la conclusion de cette petite prédication. Je vous l'ai donné comme ça tout de suite, comme ça vous savez où je veux en venir. Que fait saint Paul lorsqu'il sait qu'il a l'assurance de Dieu? Comme vous, vous savez que vous avez l'assurance de Dieu. Eh bien, il reste dans la ville de Corinthe et pendant un an et demi, il va annoncer la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il va révéler la sagesse du Christ et en même temps dire à tous les Juifs qui sont là, et puis à tous les autres qui sont de langue grecque et qui se trouvent à Corinthe, eh bien tout simplement qu'ils sont sauvés par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors à ce moment-là, les Juifs vont se rebeller. Si vous voulez, nous assistons là à une des premières querelles entre le judaïsme et au fond le christianisme. Et donc les Juifs se saisissent de saint Paul et le conduisent au tribunal devant Gallion, qui est à ce moment-là proconsul en Grèce. C'est un poste très important, un procureur. C'est lui qui dirige le tribunal. Alors vous savez que ce Gallion, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est important de se le redire, parce qu'il va être extrêmement sage dans ce qu'il va dire. Gallion est le frère aîné du grand Sénèque, que nous ferions bien d'ailleurs de lire, parce que c'est un philosophe qui peut toucher même le cœur chrétien. Alors ce Gallion s'exprime très simplement, il répond aux Juifs, écoutez, ce sont des querelles internes, ce sont des questions qui regardent la foi religieuse, ça ne relève pas de mon tribunal. Et comme Sosthène, qui est le chef de la synagogue, n'intervient pas, les Juifs qui sont dans un état d'excitation inouïe se jettent sur Sosthène et le battent. Et Gallion, c'est ainsi, ne bouge pas. Mes frères bien-aimés, par la suite, saint Paul va rester encore un peu à Corinthe, et puis ensuite il va partir et rejoindre, en amenant avec lui Priscille et Aquila, il va se rendre dans une autre ville, à Sancrée, où là il va continuer d'annoncer l'Évangile. Mais voyez mes frères, ce qui est extraordinaire, c'est de sentir cette aide divine. Lorsque nous voulons vraiment annoncer notre Seigneur, faire connaître la Sainte Vierge, révéler le Saint-Évangile, le mystère eucharistique, parce que tout est là au fond, eh bien, nous sommes soutenus par le Christ qui, vous l'avez vu pour saint Paul, lui a promis de le soutenir. Mais, comme vous l'avez constaté avec moi, saint Paul a quand même été arrêté. Mais nous n'avons rien à craindre comme lui, même si de temps en temps, nous avons l'impression d'être comme tenus par nos ennemis. Ce n'est pas grave, ils peuvent nous arrêter, nous faire du mal, dire toutes choses de mal contre nous, ce n'est pas grave. Jésus peut le permettre comme il permet l'arrestation de saint Paul, mais ensuite on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le maltraiter. Comme nous aussi, mes frères, il faut que nous ayons cette assurance que le Christ va nous défendre. Mais évidemment, si nous ne montons pas au créneau, le Christ n'a pas besoin d'intervenir et nous n'aurons aucune vision. Et nous n'aurons aucune parole du Christ reçue à l'intérieur de notre cœur. Alors mes frères bien-aimés, si vous voulez la visite du Christ, eh bien il faut vivre pour lui et le défendre partout et parler de la joie surtout que vous avez à croire en lui. Tout est là, mes frères, saint Paul nous donne l'exemple. Donc, j'y reviens, et c'est ma conclusion que vous connaissez déjà, ne craignons rien. Le Christ est avec nous, il nous défend, il nous suit dans toutes nos difficultés et il nous sauve.
Et il permet qu'à travers nous, le christianisme se répande. Mais voyez, pour qu'il se répande, il faut quand même que nous travaillions. Si nous restons là tranquillement, sur nos chaises d'église, à prier, et Dieu sait si c'est grand la prière, cela ne saurait suffire. Il faut aller plus loin, il faut agir, fortement, parler, et plus encore, donner l'exemple, à travers la donation de notre amour le plus concret.